forcément, quand on parle de course automobile et d'art, bien, ça rapproche franchement Bentley en général. L'art, le sport automobile et Bentley, voilà, c'est un trio qui n'avait encore jamais été tenté. Il ne faut pas oublier que nos Bentley Boys dans les années 20 ont décidé de prendre leur voiture du quotidien et de participer à des courses automobiles. Alors l'opération me tient à cœur étant donné que à travers mon association qui s'appelle UrGT, nous allons aider d'autres personnes en situation de handicap. Deux projets caritatifs, le premier d'accueillir 50 personnes lors des 24 heures de Spa-Francorchamps et le second d'aider les personnes en situation de handicap qui sont actuellement en revalidation. Quand ce projet est arrivé sur la table, on s'est dit mais pourquoi pas encore faire partie de cette histoire. Notre rôle c'est de cristalliser la solution technologique et stratégique qui fait qu'à un moment donné ce projet est connu de notoriété, fait de la valeur ajoutée, qui permet notamment de financer la cause. De pouvoir montrer aux autres qu'une personne moins valide peut accéder à ses plus grands rêves. Le team CMR en tout cas a fait les choses correctement puisque c'est grâce à eux qu'aujourd'hui je peux piloter à haut niveau cette GT3, cette magnifique Bentley Continental GT3. C'est hyper compliqué, je comprends pas comment un Nigel peut faire les chronos qu'il fait, c'est fantastique.